sur nos thématiques. Alors, on sera peut-être élu au niveau local, mais on ne pourra jamais. Il est gentil, celui-là. Où on est capable de dépasser un petit peu ces clivages de personnes. On est capable de dire qu'on a des valeurs communes qui nous rassemblent et on est capable de faire travailler différentes personnalités. Moi, je suis pour cette méthode. Niveau des sénatoriales, les Alpes-Maritimes. Il n'a rien compris non plus. C'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est tout droit. Tu comprends ? Tu comprends pas. Là, j'ai encore serré. Le commandement mortel, ça commence à me faire chier. La République, une grosse République, dans ton cul, mon enfant. C'est ça que ça veut dire. Mais vous êtes seul comme à l'accompagner, c'est vrai. Quand tu es dans le monde de l'esprit, le monde de la matière, tu n'as plus rien à foutre. Tu te demandes pourquoi tu redescends tous les jours sur Terre. C'est bien en noosphère, c'est bien dans le monde de l'esprit. En gindre, râler, par des connards partout. La filière du yachting, qui est une filière très importante, qui génère beaucoup d'emplois et un certain nombre. Tout sous cacheton, tout sous l'ego, tout sous l'opidem, là. C'est Rasta et compagnie. Artanax, je sais pas quoi, les noms à con. Vous ne comprenez pas. C'est notre industrie touristique. Le département des Alpes-Maritimes s'est fondé. Vous voulez rester dans un mensonge collectif ? C'est pas ça la vie sur Terre. Dans beaucoup de territoires français. C'est pas ça du tout. Un certain nombre de structures de type la technopole de Sophie Antipolis, qui aujourd'hui est un bassin d'emploi très important. C'est pas ça du tout. J'espère que l'OIN va pouvoir aussi se mettre en place. On aura deux pôles complémentaires très importants. À l'horizontale, c'est la vie de ta viande. Je vais le dire des milliards de fois, mais je vais le dire. À la verticale, c'est la vie de ton esprit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est que la bonté qui doit payer. Les gens qui sont bons et qui partagent. 21-12-2012, ça devait être la fin du monde capitaliste. Vous n'avez rien compris. Un très riche, c'est fait pour y mettre des claques, des coups de boule. Il ne faut pas vénérer un riche. On est toujours en train d'imposer, c'est de la merde, il ne faut pas idolâtrer. Ils font que de la merde, la télé c'est que de la merde. À partir de là, il y a un certain nombre de clignotants qui sont... Manipulation mentale. Viens me la faire, moi. Et sur lesquels il faut qu'il y ait prise de conscience. La filière IoT... Moi, la mauvaise foi et le mensonge, je ne supporte pas. Les bateaux de grande plaisance qui sont porteurs d'économie, d'attractivité touristique très